Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Alors aujourd'hui, on va reparler d'aspirateur connecté, un aspirateur qui m'a été envoyé par la société Ecovax. On va parler du D-Bot N8 Plus. On va tout de suite le déballer, c'est parti. L'Ecovax D-Bot N8 Plus, l'un des derniers aspirateurs de chez Ecovax. Alors surtout, si vous n'avez pas encore fait le pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à nous rejoindre en section membres pour continuer à encourager la chaîne Vision High Tech. Allez, c'est parti, place au déballage et à l'intro. Rejoignez cette chaîne. Alors, le N8 Plus est un des aspirateurs haut de gamme de chez Ecovax. Je vous ai d'ailleurs eu un code promo et vous aurez donc tous les liens dans la description ainsi que le code promo. Allez, on déballe, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on est sur un package avec Ecovax Premium. On a donc un carton complètement packagé et comme vous pouvez vous apercevoir, le N8 Plus Pro possède sa station de vidage automatique. On va voir ça tout de suite ensemble. On a sorti le premier carton, c'est le N8 Plus de couleur blanche. Allez, on part tout de suite en ASMR, c'est parti, écoutez-moi ça. Alors, petite languette expliquant le fonctionnement du N8 Plus. Alors, vous pouvez le voir ici de très près, il est vraiment très joli. Donc, lorsqu'on lève le capot, on a tout de suite accès au bac de récupération de poussière. À l'intérieur, on a toujours donc le bouton marche arrêt avec le petit bouton à sa droite pour le Wi-Fi. Attention, toujours bien enlever les protections du bouclier à l'avant. Vous n'avez qu'à tirer. Vous en avez deux. Alors, on peut s'apercevoir du design de ce N8 Plus qui est complètement différent des autres que j'ai testés, le 920, le 950, le T8 Plus et le T9 Plus il n'y a pas très longtemps. Le N8 Plus est l'entre-deux entre le T8 Plus et le T9 Plus. Il fait partie donc des aspirateurs haut de gamme de chez Ecovax. On est donc sur un aspirateur robot de 34 cm de diamètre pour un peu moins de 10 cm de haut. L'un des gros avantages des aspirateurs Ecovax, c'est son télémètre laser, ce capteur LiDAR qui va donc venir cartographier votre maison avec la dernière technologie Smart Navi 3.0. Alors sur le côté de ce télémètre laser, vous allez donc retrouver le bouton de marche arrêt et ce bouton vous permettra aussi de faire retourner l'aspirateur à sa base de recharge et à sa station de vidage. Alors passons dessous cet aspirateur, on va donc ici rencontrer des roues en caoutchouc crantées avec un débattement de 2 cm pour monter donc les plinthes de porte, pour monter les petites marches de 2 cm de haut. Côté châssis, on voit que ces roues sont très bien équipées. Ces roues sont en caoutchouc car avec cet Ecovax D-Bot N8 Plus, vous allez pouvoir en même temps d'aspirer, laver votre sol. Donc ces roues permettront d'accrocher correctement au carrelage sur du parquet sans aucun problème. Deux emplacements au code couleur rouge et au code couleur vert pour monter les deux balayettes qui vont bien entendu rapatrier les poussières au centre de cet aspirateur dans cette bouche. Celle-ci sera nettoyée de temps en temps. Et pour l'enlever, c'est tout simple, vous avez deux petites manettes de chaque côté, vous les poussez et vous enlevez la grille. On va donc trouver dessous 6 détecteurs de vide, cela lui évitera de tomber dans vos escaliers. Alors cette brosse est assez particulière puisqu'elle est équipée de caoutchouc et ces caoutchoucs vont venir lécher le sol pour rentrer un maximum de poussière. Alors cette brosse rotative, on peut l'enlever complètement pour la nettoyer si vous avez donc des animaux à la maison, pour enlever les cheveux ou les poils d'animaux. Autre élément très important, c'est que sur la façade du bouclier, plusieurs capteurs de détection d'obstacles ont été positionnés pour que le N8 Plus puisse avancer le plus à l'aise possible dans votre maison ou dans votre appartement.
D'ailleurs, on peut remarquer que si un obstacle passe entre les mailles du filet, on a ici un bumper qui va permettre donc de dire à l'aspirateur qu'il vient de rencontrer un obstacle. Et bien entendu, le N8 Plus fera demi-tour et continuera son travail. Sur l'arrière du N8 Plus, on a donc un moteur qui génère quand même 2300 pascal de puissance de dépression, ce qui veut dire que ça en fait un des aspirateurs les plus puissants sur le marché, avec bien entendu d'autres marques. À l'arrière, bien sûr, on va retrouver un bac à eau. Comme je vous ai dit, le N8 Plus est capable de laver en même temps que d'aspirer votre maison ou votre appartement. Je vous montrerai comment ça fonctionne via ce bac à eau. Je vous ai dit en début de vidéo, ce N8 Plus, vous pouvez donc l'obtenir via sa station de vidage. Et ici, c'est plutôt pas mal puisque là, vous aurez un mois de capacité sans devoir vider le sac. Alors pour ouvrir la station de vidage, c'est tout simple. On appuie sur le dessus et ici, on va rencontrer un sac d'à peu près 5 litres de contenance, une autonomie d'à peu près un mois. Ensuite, vous pouvez racheter donc ce genre de consommable sur internet, mais une fois que ce sac est rempli, vous pouvez donc le vider vous-même, qui vous permettra de faire quelques économies. Alors, l'aspirateur rentrera sur cette petite plateforme pour venir ensuite se greffer ici pour aspirer ces poussières qui seront donc à l'intérieur du bac de récupération de poussière. Alors comme je vous ai dit, on est sur un package complètement premium et bien sûr on aura donc d'autres consommables. Sera donc livré avec votre aspirateur d'autres petites serpillères jetables. On aura déjà au préalable une serpillière d'installer sur la palette qu'on installera sous l'aspirateur tout à l'heure. Vous aurez donc la connectique pour connecter donc la station de vidage, d'autres petits sacs pour la station de vidage. Bien sûr, les manuels seront en français. Les deux petites balayettes à code couleur, on va tout de suite les installer sous le N8 Plus. Voilà donc tout ce que vous allez trouver dans cette deuxième boîte à l'intérieur du package. Une fois les deux balayettes installées, on va pouvoir démarrer le N8 Plus Pro. C'est parti. Le D-Bot N8 Plus est connectable à votre réseau Wi-Fi pour qu'il puisse cartographier votre maison. Mais attention à bien différencier votre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz et 5 GHz. Parfois, les réseaux ne sont pas séparés et vous pouvez trouver de la difficulté à connecter votre N8 Plus à votre réseau. Alors comme vous le savez, je suis très amoureux de la marque Ecovax D-Bot. Ce sont des très bons aspirateurs. Ils sont vraiment très efficaces et super accessibles. D'ailleurs, ils sont équipés d'une synthèse vocale. Grâce à l'application donc Ecovax Home, on va pouvoir donc faire parler notre aspirateur en français, bien sûr. Et il va nous dire lorsqu'il démarre le nettoyage, lorsqu'il repart à sa station de charge, vous allez pouvoir l'utiliser avec vos différents assistants vocaux tels que Alexa ou le Google Assistant. Il n'y a pas de problème. Au premier allumage, vous avez une petite musique comme ceci. On va tout de suite passer à la détection du vide pour voir si le N8 Plus est capable de naviguer sur une table de cuisine à 70 cm de haut. Premier test, c'est parti. Nous voici donc pour le premier test de la détection du vide. Premier allumage, l'aspirateur vous parle en anglais. Une fois que vous allez le connecter à votre application Ecovax, et vous allez pouvoir mettre votre aspirateur, votre D-Bot en français. Premier allumage, c'est parti. Starting cleaning. Alors côté bruit, on peut s'apercevoir qu'il est très silencieux. Voilà donc, une fois que le N8 Plus a terminé son travail, il revient au centre de la table. Le premier test de chute est passé avec succès. Sélectionner, bouton. Comme un bac black, bouton, peut-être, retour. Donc ici, annuler, bouton. L'appareil se connecte à votre réseau. Détection du recours à votre téléphone, point de suspension. Suivant, bouton.
la connexion s'est effectuée avec succès. On vous demande de donner un nom à votre robot, je vais lui laisser son nom d'origine. On va faire suivant. On a donc fini la configuration du réseau. Configuration du réseau terminé. Accéder au robot. Bouton. Et on va faire accéder au robot. Accéder au robot. Bouton. Tout en haut à droite. Comme global mort. Comme global. On peut donc aller dans les paramètres pour régler la langue en français. Bouton. Paramètres de base. Estompe. Paramètres supplémentaires. Vous allez donc dans paramètres supplémentaires et vous allez sur alerte vocale. On vous demande de régler le volume. Volume. 50%, 60, 60, 80, 90, 100%, 100%, 100%. Faites langue, image, bouton. On vous demande de choisir la langue. Italiano, utilisez. Utilisez, français. Utilisez, bouton. Et vous cochez la case utiliser en français. Alors attention, puisque le côté carte sera peu accessible aux personnes non-voyantes. On peut donc lancer le robot. Et dans un premier temps, il va cartographier, longer les murs de votre maison pour la cartographier correctement. C'est parti. Et c'est parti. On va donc pouvoir voir le robot longer les murs au fur et à mesure. Et vous allez pouvoir même voir en temps réel sur la carte où votre robot se trouve. Alors, on peut voir qu'il est assez précis dans son déplacement. Il ne cogne pour l'instant aucun élément. On peut voir qu'il est très précis au niveau du contour des pieds. Alors ensuite, c'est un robot tout ce qu'il y a de plus classique, un robot aspirateur qui va donc contourner les pieds de chaise, les tables, qui va passer sous vos canapés sans aucun problème, qui fera vraiment un très bon travail. Sur le N8 Plus, vous n'aurez pas d'oscillation au niveau de la serpillière. Ce n'est pas comme le T8 Plus et le T9 Plus, il ne fera que passer la serpillière. Voilà, donc on peut entendre que lorsque le N8 Plus monte sur un tapis, il accélère son aspiration. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Donc tous les liens seront dans la description, le code de réduction, les liens où vous allez pouvoir le trouver, le N8 Plus. Est vraiment un aspirateur très professionnel. Alors le N8 Plus est vraiment un aspirateur très efficace pour les particuliers autant que pour les professionnels. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible bien sûr. Salut à tous.